en ce dimanche soir, la vidéo sortira certainement demain, je pense. On va faire un petit tour nocturne des arbres. Regardez, bon, le rosier persévère, hein. Regardez la catastrophe avec la tempête et la pluie. Regardez l'averse de cet après-midi. Regardez un peu les feuilles dans l'état qu'ils sont. Regardez, le pêcher n'a quasiment plus de feuilles. On voit d'ailleurs les bourgeons pour l'année prochaine. Regardez, par exemple, ici, on voit les bourgeons à fleurs très très poilus et les bourgeons normaux. Vous voyez, au milieu, il y a un petit. Petit bourgeon normal. Regardez un peu tout ce qu'il y a, ça va, c'est satisfaisant. Regardez tout ce que vous voyez blanc là, les bourgeons blancs, c'est que des fleurs. Donc normalement, si comme il n'a plus de maladie ou très peu, normalement l'année prochaine, je devrais avoir 3 kilos de pêche, je pense 2-3 kilos au minimum. Parce qu'une pê des pêches comme ça, c'est très grosse. C'est aux 6 cm, donc je pense une pêche à près de 200 grammes. Donc je pense avoir 2-3 kilos cette année, enfin l'année prochaine. Voilà, donc le cerisier a perdu ses feuilles aussi. Regardez en bas, il n'a déjà plus. Et il perd de plus en plus vers l'eau, vous voyez, bon, il est magnifique, vous voyez, on voit très bien qu'il a plu, il est trempé. Voilà, bon, les tomates jaunissent. Voilà, donc regardez un peu les feuilles, comment elles sont bonnes. Mais c'est l'abricotier le plus beau, hein. Franchement, je suis très. Là, avec le cerisier du Japon, mais il n'y a plus rien, vous allez voir après. Regardez les feuilles, la couleur qu'elles ont. La qualité est bien. Regardez, bon, il y avait une feuille tout à l'heure, là, mais elle est tombée. Enfin, je l'ai touchée, elle est tombée. Et même elle va tomber demain, je suis sûre. On verra bien. Le bonsaï! Ah non, on voit pas, ça va. Regardez, le bonsaï a perdu ses feuilles. Et je crois qu'il y en a une derrière. Elle est où? Elle est où la cocotte? Elle est là-bas. Je vais vous montrer. Allez, 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 allez ici. Attendez. Par là-bas. Allez par là-bas. Bon, on voit rien. C'est pas grave. Donc, regardez. Oh! Regardez l'abricotier. Oh, regardez les feuilles de malade, quoi. Regardez la couleur un peu. Les plus belles, c'est un peu comme ça. Regardez comme ça. Regardez un peu la couleur de l'abricotier. Et voilà, il est magnifique. Le petit cerisier, voilà, est magnifique ici. Voilà. Le nectarinier. Regardez, il y a qu'il reste quelques feuilles vers l'extérieur. Vers l'intérieur, il n'y a plus rien. Regardez, on a même les bourgeons pour l'année prochaine, comme le pêcher. Vous voyez, tous les trucs blancs, c'est que des fleurs. Donc, à mon avis, je vais en avoir au printemps. Et regardez la catastrophe. Regardez le cerisier. Il n'y a plus de feuilles dessus. C'est mort. Regardez. Et il y a, je vais vous ramasser une feuille. Regardez. Regardez les feuilles, comment elles étaient belles. Bon, il y en a encore par terre. Enfin, il y en a encore. Regardez là, celle-là, par exemple, elle va tomber, je pense. Les petites, par contre, là, il en reste. Il y a un groupe. Voilà, le être a perdu ses feuilles. Bon, bah voilà les poteaux. C'était pour vous montrer ça. Ah, allez, ciao. Regardez le coucher de soleil. Regardez, il est magnifique. Elle est là-bas. Voilà, là, il y a une fin d'averse. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Bon, bah voilà les poteaux. Regardez. C'est la fin d'averse. Donc, allez, ciao.